En partenariat avec Avocats sans frontières Canada, le barreau des avocats des Gonaïves débute ce mercredi 1er septembre. 3 journées de formation sur litige stratégique à l'intention de noyaux d'avocats stagiaires spécialisés dans la défense des droits de l'homme. Cette formation virtuelle, COVID oblige, vise à renforcer les capacités des jeunes avocats pour lutter contre la violation des droits de l'homme en Haïti, en vue notamment de combattre la surpopulation carcérale qui ronge la justice haïtienne. Reportage de Ronald Paul au Gonaïve. Dans cette salle, une quinzaine d'avocats stagiaires au barreau des Gonaïves profitent de cette formation par écran interposé. Les formateurs se trouvent au Canada, à Port-au-Prince et en présentiel. Maître Jacques Saint-Jacques, bâtonnier de l'Ordre des avocats des Gonaïves, met l'accent sur les avantages d'une telle formation pour ses récipiendaires. Les gagnants des objectifs et les gagnants maintenant des résultats que nous attendons, que avocat qui n'a l'étude stratégique capable de faire un impact dans la société, hein, surtout dans la défense des droits de l'homme, et surtout lorsque y a un cas emblématique, monde qui est victime maintenant des droits de l'homme. Donc, avocat Sayo, noyau avocat Sayo, c'est pour Sayo là, c'est pour Sayo prendre formation. Et aussi les viser renforcer la capacité avocat, ouvrir sur l'ensemble des violations des droits de l'homme et motiver yo, maintenant nécessité pour qu'ils soient capables d'intervenir dans la défense des droits. Ou après, les gens qui sont là, c'est des avocats stagiaires, ou bien sont des gens qui ont enlevé stage pendant un an ou bien 2 ans. En Haïti, le concept de droit de l'homme n'existe que sur le papier, notamment pour les personnes défavorisées. Selon le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, la détention préventive prolongée est passée de 76% à 85% entre juin 2020 et mars 2021. À l'issue de cette formation, Maître Laurie Sandry Joseph, avocat stagiaire au barreau des Gonaïves, espère pouvoir mieux adresser la question. Donc, en tant que professionnel du droit, nous luttons pour le respect des droits de chacun, surtout ceux qui sont déjà en détention. Et nous connaissons la situation de la prévention préventive prolongée ici en Haïti. Des gens qui ont au moins 2, 3, 4, 5 ans, même 10 ans en prison, sans même voir pour la première fois un juge pour et entendre leur situation et comprendre leur cas. Donc une formation sur la litige stratégique, ça nous permet de renforcer notre capacité de compréhension de la situation et surtout lutter contre toute forme d'injustice, d'abus et de détention de préventive prolongée. Au Gonaïve, cela fait 3 ans qu'on n'a pas eu d'assises criminelles, par exemple. Ce n'est que cette année, on a droit à une assise en attendant et une assise sans assistance de jury, en attendant le mois de décembre pour avoir une assise avec assistance de jury. Environ 60 ou 70 cas seront traités et durant ces assises. Donc c'est déjà un grand pas si après 3 ans qu'on n'a pas eu d'assises criminelles. Des gens qui sont en prison depuis 3, 4, 5 ans, sans même pouvoir connaître leur sort, s'ils seront condamnés ou s'ils seront libérés. Donc c'est déjà un bon pas. Donc avec ces notions de litige stratégique, ça va nous permettre de comprendre leur situation en détention, d'essayer aussi d'anticiper sur les manières d'éviter ce genre de choses afin de cesser de faire régner l'injustice dans le système. Même aspiration pour Biyilin Philippi, avocate stagiaire au barreau des Gonaïves. Consciente que le choix de défendre les personnes défavorisées en Haïti ne sera pas une partie de plaisir, elle reste cependant confiante en son mentorat et en son équipe. Et il réside que le problème de droit humain en Haïti, ça ne va pas être résolu de si peu. Donc, comment est-ce que vous voyez votre avenir dans ce périple? Très prometteur, je peux dire, avec l'accompagnement du barreau et notre cher bâtonnier. Et avec l'accompagnement de l'avocat sans frontières Canada, ensuite, et notre cabinet, c'est le cabinet Joseph et Associés. Nous sommes, comme on dit, on est une famille, comme une famille, on est une équipe, et avec une équipe, on gagne toujours. Dans sa mission détaillée sur son site internet, Avocats sans frontières Canada se fixe notamment comme mission à agir pour renforcer la sécurité et l'indépendance des avocats défenseurs des droits humains, offrir de la formation continue pour les professionnels du droit, renforcer les capacités des intervenants de la justice et des membres de la société civile. L'organisme veut se mettre au service notamment des femmes victimes de violences basées sur le genre, des enfants exploités, des communautés autochtones,
autochtones marginalisés, des minorités sexuelles discriminées et d'autres victimes de violations des droits humains. Ronel Paul Legonaïve, Zoom Haïti News.